Bois-Caléa semble vouloir retourner dans la Tibonite. Habitant dans commune Yankou verrait tamé yon gros barricade, yon gros brigade vigilance dans l'idée pour résister contre bandi qui fait partie gang Grand Griffio. Ayer samedi a moun la Tibonite yo bay 6 gros bandi Bois-Calé. Et c'est yon Bois-Calé qui sans pareil. Les dit nous Bois-Calé sans pareil. Ça le dit Bois-Calé a update. Li pi kriyèl et li pi violent que j'ai teye auparavant. Oui. Bandi criminel kidnappé qui nan base Grand Griffio. Yo arrivé replier parce que yo wè pèp Liankou avec Verret là yo pa nan res et yo fè m konnen population an ap essayer barrer tout côté toute route ki bay bandi yo accès pour ka circuler nan département. Si nou wè moun la Tibonite ka retourner timidement nan mouvement Bois-Calé a, c'est parce que yo wè l'état pa gen volonté yo même pour rétablir sécurité nan pays d'Haïti. Et m'te toujours dit nous nan chaque émission qui m'a fait Bois-Calé a pa yon problème, li pa fait pays d'Haïti toi. Bois-Calé a c'est un remède, une solution pour tout bandi nan pays d'Haïti. Je vous dis à la nous jouen, nous un pays Kenya a fait que nous content. Yo annoncé, yo prêt, yo paré pour voyer soldats yo dans le pays d'Haïti. Environ 1000 policiers qui là pour intégrer dans PNH là pour ca bail corporation support pour rétablir sécurité dans le pays d'Haïti pour ca camper goumé contre gang yo ca bail problème dans le pays d'Haïti. Ça veut dire là nous est des pays qui commence à répondre avec invitation l'ONU te bail pour porter soutien pour pays d'Haïti. Pendant ça population yo même y a bail bandi yo Bois-Calé j'en capable. Oui, Bois-Calé a c'est une solution, c'est un remède, un résultat pour tout bandi. Si nous est je dis à là moun Liankou, moun Verret, yo passé 6 présumés bandits en bas roulo compressé Bois-Calé. Ça veut dire là, y a travail. Yo campé là pour déraciner bandi yo. On d'accord avec yo parce que yo wè autorité pas sou travail, autorité pas gen volonté pour ka déraciner gang yo dans pays d'Haïti. Yo prend destin yo en main. Et qui te annonce nous tout, gen yon bandi qui rele Mazora. Tout ça, li arrive blessé mortellement dans yon échange coup d'âme ak la police. Jou qui te samedi 29 juillet 2023 nan zone tabac. Selon PNH, yon fè nou konnen, présumé criminel la tap opéré nan gang ki nan cité Doudoun nan commune Kwadebouke. To sa kre le Mazora, c'est pas Mazora nous connaît qui comédien non, mais plutôt c'est Mazora bandi qui était nan gang nan cité Doudoun nan commune Kwadebouke. To sa arrivé tombé tête noue nan yon échange de tir avec la police. C'est ça, la police arrivé informer nous, ça son bonne nouvelle. N'a continuer ba nou bonne nouvelle côté journaliste Blondine Tanis li arrivé jeune libération contre rançon la nuit qui était dimanche 29 juillet 2023. Toutefois que information yo ta fait quoi et ta santé pas bon du tout bandi yo te kidnappé corps présentatrice émission Tribune Matinale qui travaille sur Radio Rénovation FM.
jour qui était 21 juillet passé à et bandi yo ti arrivé kidnapper nan commune Delma, plus précisément nan Delma 75 nan zone sa ki rele Catalpa. C'est là yo te kidnapper journaliste Blondine Tanis. Li arrivé jeune libération contre rançon et famille fait nous connaître état santé Blondine alors li pa bon du tout kounya là la prend soin que cal nécessité et nous connaît pression kidnapping ça li pa bon le kidnapper faut mourir au top pour les libéraux pour ta pour te cordium pression bandi ça à bord pendant kidnapper là et pression pour que j'aime joindre dans mes pièces moun dans entourage ou c'est raison pour laquelle à chaque moun que bandi yo fin kidnapper yo toujours paralysé mentalement moi rete quoi un jour ba ça a suspend dans pays d'Haïti n'a gagné un bon état qui là pour ka marer bandi marer criminel kidnapper et marer tout nèg averse ka supporte gang dans pays d'Haïti même gens m'a wè l'autre pays a fait c'est comme ça yo mon jour on souhaitait pour Haïti t'en fait ça et la police nan nega di yo annoncé yo arrêté samedi qui se passé là Nicolas Pedro et femme du bien ça c'est pays côté moun a fait pays côté gen loi yo arrêté Nicolas Pedro avec petit garçon li président Colombia. Il n'a pas un Colombien à voler, oui. Même que tu as plusieurs mercenaires colombiens qui sont entrés dans le pays d'Haïti, qui sont tous les présidents, mais ne payent pas, ils ont la loi. Ils ont pas de tirer, voler gang. Ça, c'est ce que je vais annoncer là. Ils ont l'aime ta remé pour annoncer même nouvelle ça dans le pays d'Haïti. La police arrêté Nicolas Pedro. Petit garçon, président Colombia, qui c'est Gustavo Pedro. Il a arrêté monsieur pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. C'est accusation ça qui kembe contre lui. Deise Van et Vasquez, qui c'est ex-madame Nicolas, lui prend code avec. Ménage, je dit Maril. Il prend compte tout parce que il te recevoir gros d'argent nommé contrebandier et narcotrafiquant en 2022. Ça c'est pays. Yon l'aime d'arrêter m'a annoncé nouvelle ça. Même gens nous contendé. Gené qui n'a droit dans pays d'Haïti et nous contendé yo. Yo kon di Akra nan drog, yo ni konnen nan drog, yo kon di nek Jacmel yo. Nek Jacmel la nou ganti moun tan la pou kont nou. On nek ki gen gwo gòj ki gen radio. Yo di mi se nan drog. Nan mi on lè. Pou anonse nouvèl sa pou mate li tout. Pase mate te ouvè bouchi menm li te di ke li nan drog. Li te di li nan drog e li te di sa. D'ailleurs, c'est lui qui t'a dit, lui qui habite Van Dog, il était dans compagnie, la volé ciment. C'est lui qui t'a dit ça avant d'être président. Yon l'aime ta remis pour annoncer nouvelle ça, même j'ai annoncé là, côté la police arrêté Nicolas Pedro, qui c'est petit garçon, président pays Colombie, qui c'est Gustavo Pedro, dans blanchiment l'argent et enrichissement illicite. C'est accusation ça qui kembe contre lui. Et il y a Deise Vasquez, qui est ex-madame Nicolas Pedro. Femme ça arrive pour quoi tout? Parce que il te recevra gros l'argent. Non mais contrebandier et narcotrafiquant dans l'année 2022. Yo maré yo
yo mette yo der ba ou. Nous content annoncer nouvelle ça et n'a plus content toujours laisser pour pays d'Haïti nous prend temps nous pour n'a li belle information ça yo quand n'a annoncé yo marre tel bandi avec nèg qui dans secteur privé qui était dans politique pays d'Haïti qui dans drogue qui dans trafic d'armes qui a alimenté bandi yo n'a content yo bonjour. Éclatement social là a fait et m'a gardé pour moi qui contenait son a courir fait et nous gétant joine pays Canada qui sectionne ça déjà nous jeune États-Unis qui sectionne toujours nous jeune République Dominicaine qui entre dans section et laisse ça m'a gardé dans qui pays a courir à cacher joue éclatement social là a fait là n'allez rendez-vous dans la prochaine émission. C'est un plaisir pour moi pour me deviner informer nous et nous croiser dans l'autre vidéo. Pas hésiter. Like vidéo ça. Abonnez à la chaîne là qui c'est Production 69. Si toutefois c'est sous Actu Production ou Tandem, pas hésiter à abonner. Faites-moi arriver 100K. Même pas de 100K, c'est 100 000 abonnés. Oui, je connais capable. Et pas hésiter tout quitter un green commentaire pour moi. Dis-moi qui compte regarder vidéo ça. Et dans la prochaine émission, je vais pour une salutation spéciale. N'importe quel côté, on t'aime. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission. Bah, au mandat, et puis eux-mêmes, il n'y a pas terrible parce qu'ils ont parlé déjà. Et ils ont annoncé là, dans la semaine qui est venue, guerrier du seul, gagné en mission d'évaluation. Cap dans pays ya son équipe spéciale cap constitué de policiers kenya et yo pral vinn garder sous terrain qui ça bagay la ye et c'est évaluation sa guerrier yo pral faire qui pral déterminant pour mandat force multinationale ça n'a parlé là et garder tout du coup qui ça exigence opérationnel yo capable supposé qu'il n'y a pas besoin de faire même genre avec Canada pour voyer un petit avion en l'air garder pour voyer bateau voyer un bateau là dans les eaux haïtiennes garder qui ça va là hein Kenya dit a débarqué avec une équipe spéciale de la police kenyane pour venir sur le terrain pour venir garder avec Dinawe qui ça va là et c'est à partir de équipe d'évaluation ça mandat mission ça avec exigence opérationnelle yo pral défini ça c'est nouvelle la guerrier ça c'est communiqué qui reprend une déclaration Alfred Nganga Mutua qui sont journalistes qui sont hommes politiques kenyans et qui occupé pour secrétaire cabinet pour les affaires étrangères de la diaspora ça nous les ministres affaires étrangères là depuis pratiquement 10 mois environ, depuis 27 octobre, si nous ne pas comprendre. Gain un ensemble de réactions après proposition Kenya guerrier. Gain une réaction bon côté président dominicain monsieur Luis Abinadel. Gain une réaction bon côté autorité haïtienne yo. Gain une réaction bon côté plusieurs leaders politiques parmi eux ancien premier ministre Claude Joseph et ancien sénateur Steven Irvinson Benoît pour autorité haïtienne yo guerrier gagne ministre affaires étrangères là n'a parlé là de Jean-Victor Généus qui lui-même déclaré que il recevoir avec un pile intérêt déclaration ministre affaires étrangères kenyan qui confirme volonté pays là pour porter un appui effectif by force l'audio dans pays d'Haïti dans bataille pour rétablir un environnement sécuritaire dans pays là et
considérer du coup possibilité pour assumer leadership force multinationale là une fois je ne te dis pas l'heure que Conseil de sécurité Nations Unies fin by aval li. D'après ministre affaires étrangères haïtien, Haïti apprécié à sa juste valeur manifestation solidarité africaine ça et n'a cité c'est avec plaisir que Haïti a parlé là pour accueillir dans prochaine semaine yo mission évaluation Kenya proposé tête li pour le voir. C'est ça qui écrit dans réaction ministre affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus dans la soirée du dimanche 30 juillet 2023. Mais faut que nous dit tout gagné président dominicain guerrier Luis Abinadel qui bat l'estomac li. Oui. Li estimé c'est persévérance qui peut te fuir ça. Ça le relève fuir c'est joindre Kenya qui proposer tête li pour prendre tête mission ou bien pour prendre tête en force multinationale dans pays d'Haïti pour mettre la paix. Président dominicain dit le 21 septembre 2021 devant l'Assemblée générale des Nations Unies m'a demandé communauté internationale là pour contribuer dans résoudre problème insécurité qui gagne dans pays d'Haïti et persévérance nous en pour te fuir. Kenya a bien pour diriger avec soutien des États-Unis en force multinationale pour Haïti. Il n'a continué plaider en faveur d'un soutien tête chargée. Un gros soutien, gros support. Ça c'est réaction président dominicain Luis Abinadel. Abinadel blié si gouvernement haïtien t'a fait demande là lui-même. C'est demande pas là, il répond. Le gars Abinadel dit si nous avons un Kenya, je veux dire, qui propose tête li pour venir diriger une mission dans le pays d'Haïti, c'est persévérance li qui peut te fuir. Sans commentaire. Gen ancien premier ministre Claude Joseph, qui c'est un nan moun qui campait en face Ariel Jodia, qui lui-même li dit li très sceptique. Claude Joseph dit Kenya, ça qui dit le prêt pour le diriger une force internationale dans le pays d'Haïti, il est dépassé par les événements. La Kaili avec une crise sociopolitique sans pareil. Claude Joseph rapporté depuis des mois là, c'est pas deux trois manifestations mon a mouri dans pays Kenya, ça qui mettait pays à nos gros kachoubombe dans gros problème tête en bas ouvré. Manifestation anti-gouvernementale de temps en temps. Mon yo ka protester contre ça ou les cherté de la vie. Eh bien la police avec violence li réprimé yo. Bien entendu après au fin recevoir l'ordre ça qui fait force de police ça li fait objet de vives critiques par plusieurs organisations de défense droit moun et conférence épiscopale Kenya. Claude Joseph allait plus loin pour le dire en police qui pas professionnel dans propre pays est-ce que le cas professionnel l'autre côté. Gen Steven Benoît à Comontana non tweet qui dit n'a plus guerrier tout est lié chers compatriotes haïtiens l'heure est grave attachons nos ceintures et soyons très veillatifs les corrupteurs et vendeurs de patrie se frottent déjà les mains surveillons à la loupe le texte que Guterres et le Conseil de sécurité de l'ONU vont nous imposer. Ça c'est quelques réactions guerrières par rapport au communiqué du Kenya. Nous-mêmes, nous pensons, guerriers du seul, débat autour de communiquer ça, li gagne tout sens dans la mesure où li ka permettre que nous joignons des éléments de réponse à certaines questions. Pour moi-même, les deux bons temps guerriers, que gagne des questions qui posaient. Par exemple, nous avons des questions qui ont posé sur l'expérience Kenya jusqu'à la guerre en mission en Amel. Nous avons des questions qui ont posé sur la capacité technique et opérationnelle force de l'ordre dans le pays Kenya jusqu'à la guerre en mission de maintien de la paix en Amel.
Mais comme ça tout, nous avons des gens qui prennent le contre-pied de considération ancien PM, à savoir crise, un pays qui a une crise là, un pays qui a un problème à l'interne, pas qu'à prétendre qu'à venir aider résoudre problème dans l'autre pays. Par exemple, moi, catégorie mon Zaoudi guerrier, est-ce que c'est la première fois qu'il y a deux pays qui ont un problème là, qui soit participé dans une mission de maintien de la paix, ou bien qui prend tête mission en tout cas, carrément. Par exemple, plus près de nous là en 2004, tu gagnes le Brésil. Et le Brésil, c'est lui-même qui était dans tête ministère, pas vrai, guerrier? Oui, oui. Mm-hmm. Les casques bleus. Mais est-ce que ça veut dire Brésil à cette époque pas gagner des problèmes graves là, car notamment question favelation côté la police, force l'autre brésilienne yo a bataille toute la journée en série de civils armés au niveau de quartier ça qui ont causé pas mal de morts et la trier. Même si je dis a yo plus ou moins maîtrisé quelque côté. Comme ça tout guerrier, est-ce qu'il est capable dit pas gain de l'autre pays jodi a yo van en très bonne image et même yo montre yo très attractif notamment sur le plan touristique qui yo même gain gros bout toto et sécurité la caillou gain de pays par exemple ou jodi a qui c'est destination touristique mais gain des côtés soit aller dans pays ça yo pas de différence entre Haïti avec yon, non la question Zak Bandi guerrier. Mais autorité dans pays sa tout guerrier, yon d'accord gon politique non seulement pour bataille contre le grand banditisme, mais tout gon série de territoires, gon série de zones, gon série de villes yon développé et puis yon bay bandi limite, yon bay Zagou Louray Malfra limite yon. La Jamaïque côté nèg yo tal bois du vin nèg yo tal manger récemment li gen ti lo insécurité pa le tout mais pendant dernier moment ça yo Jamaïque vinn une destination touristique malgré tout sort en de yo là yo capitaliser sous vann ville ou bien zone touristique yo mais gen de l'autre côté en dans même Jamaïque ça gen crime k'ap fait là-dedans yo gen bandi k'ap agi là-dedans yo. Donc tout ça yo c'est pour yo capable di n'importe pays ou prend la jodia li gen ti lo problème pal sauf que yo gen droit pas même problème yo ka varier d'un pays à l'autre puisque c'est pas même configuration politique, c'est pas même réalité, c'est pas même peuple. Mais chaque pays gen ti lo problème pal en babrel. Est-ce que sous base pays a gon problème ou bien pays a gen problème pal, gen problème et interne que je dis à si mon force multinationale qui vient en Haïti, li pa ka participer, li pa ka voye composante li, li pa ka voye côté jali ou bien li pa capable réunir condition pour prendre cette mission. Mais comment est fondamental guerrier pour noter Kenya à mon avis pas décide un bon matin lever et puis proposer tête li comme ça guerrier. Mhm. Donc capable dit est-ce que Kenya ça n'a pas lié li pa gagné de gros bras dans conseil de sécurité à qui d'elle qui dit OK ou même n'a mettre au devant mais c'est nous même qui va téléguider, c'est nous même qui va agir, c'est nous même qui va faire ça nous doit faire. Luis Abinader dit clairement dans déclaration là, il dit c'est les États-Unis d'Amérique qui soutenir Kenya dans devant ça. Président dominicain dit. Donc si les États-Unis d'Amérique ont soutenu Kenya, est-ce que ça pas veut dire tout les États-Unis parer pour mettre tout moyen nécessaire, toute ressource si vous voulez pour compléter ti ça Kenya, ti gagné, OK, pour réunir les conditions minimales pour diriger une force internationale ou bien une force multinationale dans le pays d'Haïti. Si bien que depuis week-end là il y a un secrétaire d'État américain, on a parlé de Anthony Blinken, qui lui-même a parlé presque chaque jour
avec autorité dans pays Kenya yo. Donc les États-Unis li à fond li red de Kenya. Donc Kenya là comme nous étions une certaine réticence bon côté gros pays ça yo soit pour prendre tête force ça ou bien pour yo paraître tout corps yo juste rete y a essayer faire des bagages derrière rideau. Est-ce que je dis c'est pas eux même notamment les États-Unis qui mettaient Kenya devant qui dit Kenya ou met à délanté ou met avancer nous dehors et bien nous dehors et d'ailleurs et Kenya pape alors 1000 policiers pape ka combat ça nous gain là c'est sinon nous ta ka dit nous ta fait le bon compte non et monsieur que l'autre pays yo y a bail de contingent paio gros ami là qui souhaite faire nos remarques là qui dit que c'est militaire nos besoins monsieur que c'est pas policier qui a gain là-dedans d'après arriver là guerrier du seul parce que depuis octobre 2022 à jodia pendant question force multinationale intervention étrangère n'importe gens ou ta carrelil a prend forme dans débat gagner un jeu de mots moins ouais qui fait d'un côté par exemple ou bien des documents notamment dans une lettre Antonio Guterres voyé par conseil là il parlait de force de police internationale mais de l'autre côté tu parlais de force multinationale tout simplement une force de police internationale comme son nom l'indique guerrier sont forces qui a constitué essentiellement de police à notre avis ça veut dire tout pays qui a gagné pour vous y côté c'est policiers c'est des policiers vrai bon c'est ça nous supposer en attendant moun qui connaît question et de nous éclair maintenant on force multinationale li capable constituer de militaires tout simplement li capable de policiers mais capable de tout à la fois capable gagner des pays c'est des policiers vous voyez mais capable tout gagner des pays c'est des militaires vous voyez. Maintenant, un pays qui appelé à diriger une force multinationale en prend dans le deuxième cas, côté possiblement qu'a gagné un militaire, qu'a gagné un policier à la fois. Donc, est-ce qu'il pas un petit genre. Par contre, pour ces seulement 1000 policiers, vous voyez, ou bien pour ces seuls policiers, le choisir, vous voyez. Parce que nous ne pouvons pas parler là d'un pays qui décide de participer. Nous ne pouvons pas parler d'un pays qui entend diriger force là. Donc l'or a dirigé force là avec le ou juste participer dans envoyer soldats ou bien envoyer policiers dans force là, c'est pas même niveau de responsabilité. Ouais. C'est comme si m'ta dit en 2004 les ministres étaient là degré responsabilité le Brésil t'a gagné. C'est pas lui même mon pays tant au Canada t'a gagné en ministre. Ouais. Dégager c'était n'importe l'autre pays. Et il était facile pour te ouais. Depuis la configuration mission que c'est le Brésil qui a dirigé. Donc je dis à là avec seulement 1000 policiers est-ce que Kenya n'a pas allé à là li en position de force souveraine pour les diriger une force multinationale dans le pays d'Haïti, j'ai dit là pour venir mettre la paix, pour venir travailler avec la police là, pour venir travailler bon côté la police là, pour venir faire la paix rétablir dans le pays. Ça aussi des questions qui sont fondamentales. Peut-être que c'est pas domaine, nous c'est pas champ de compétence nous. Il y a des monde qui mieux formé, mieux avisé souvelé dans domaine là qui a toujours aidé nous éclair. Force de police internationale, force multinationale. Si c'est force multinationale, est-ce que c'est militaire seulement qui a gagné? Est-ce qu'il y a bien policier? Est-ce que a gagné des militaires? Pour qui ça c'est policier seulement qui n'a entendu voir alors que les mêmes les dit le pour le diriger, est-ce que pas bien militaire tout, qui l'autre pays qui a voué militaire, combien de pays qui a participé, n'a mette force ça sous pied, c'est autant de questions qui méritent répondre dans toutes sortes qui a fait là comme débat autour d'une force multinationale dans le pays d'Haïti. Gagnon, secrétaire d'État américain que nous avons évoqué tout à l'heure, nous dit qu'il est très à fond dans le dossier Kenya et qui parle avec autorité dans le pays Kenya très souvent. Dernier moment ça yo qui dit que il y a des progrès qui fait vers ça ou les créations d'une force
multinationale de rétablissement de la paix en Haïti. Donc par rapport à tout ça aux guerriers, que ce soit Kenya, que ce soit Anthony Blinken, que ce soit Conseil de sécurité à qui t'a doué réuni pour bail mandat, pour prononcer, pour bail feveille la trier, pour green bail nous a dit jodi a. L'intervention étrangère se précise. Mm-hmm. Si avant nous autres nous te connait quoi que gon tolalito cap fait, si avant nous autres nous te connait quoi que gen on jouet cap jouer au plus haut niveau à l'échelle internationale sous question force ça, mais jodi a nouvelle ligne commencer bouger. Ça t'a vle dit cette question de force multinationale en Haïti devient plus imminente que jamais. Et du coup, il y a Dieu seul, nous avons un autre niveau dans le débat qui a existé depuis octobre 2022, mais qui refait surface. Des gens qui ont dit, toujours, guerrier, est-ce que vous êtes pour ou bien vous contre force ça qui t'a dû venir dans le pays ya, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si nous avons nouveau rebondissement là. Depuis le Conseil des ministres, te fin bay Dr. Ariel Henry pouvoir pour te écrit secrétaire général des Nations Unies pour te dire yo pas capable et que yo besoin soutien international, yo besoin soutien de la communauté internationale. Nous autres guerriers, on a songé, les Pierre Winel Wen était là, Lydie était là. Nous te font émission sur question ça. Gen moun effectivement qui compte pour une force étrangère ou bien pour blanc venir dans pays là pour venir aider nous résoudre problème insécurité. Gen moun qui rappelait que nous sommes pays indépendant, nous sommes pays souverain. Gen moun qui dit que problème qui vient là aussi des problèmes haïtiens. Donc c'est aux haïtiens qu'il revient pour chita ensemble pour résoudre problème yo. Yo dit la crise est haïtienne, donc la solution doit être haïtienne. Moun sa ou di ou, pas question, c'est blanc qui pour venir là qui pour aider nous résoudre des problèmes. Peut-être ils ont raison guerrier. Gen la même catégorie ça qui rappelait que par le passé une série de forces étrangères qui viennent dans le pays, ils sont pas si bénéfiques pour le pays que ça. Sinon que après au final, en pile problème nous qu'on rete et bien qu'on vienne aggraver. Il y a monde qui croit que en mission et de rétablissement de paix dans le pays d'Haïti pas pour aider dans rien. Peut-être que pouvoir a bénéficié, mais une fois que vous allez, donc nous pourrons retourner dans même bagaille. C'est d'ailleurs comme ça qu'a dit. Mm-hmm. Il a toujours eu raison et effectivement, si on allait dans l'histoire, il y a des bagailles qui étaient faites vraies et jodi à là qui passe sans conséquence surprise en nous comme peuple. On en dit ce qu'on vient pas. Mais guerrier dans la vie, on capable idéaliste tout comme on capable réaliste. Idéaliste dans le sens que mais ça bagala ta doueye. Mais ça le doueye. Mais réaliste, c'est ça wap vive là. C'est ça réalité a yé. Il y a là, il s'ak nan tête ou a guerrier. Ce qui devrait être souvelé. Mais aujourd'hui, il y a le ce qui est. Qui sa réalité dit aujourd'hui a? Réalité, c'est que ou genyen un problème qui est l'insécurité, un phénomène qui prend plusieurs formes. Chaque jour passé, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, au lieu pour font pas vers solution yo, ou est-ce plonger n'a plonger davantage. Nous autres qui parler la guerrier. Nous t'a bien remé, nous t'a bien souhaité que ces autorités haïtiennes yo, ces forces de l'ordre haïtiennes yo qui pour dégager combien de gens pour résoudre problème. Mm-hmm. Dieu seul sait combien fois nous venons là le matin pour nous rester derrière gouvernement, derrière pouvoir Ariel Henry pour nous dire monsieur Damio problème insécurité ça, il dure trop. On réveille dans souke kon, on garde sa cafette puisque c'est nous-mêmes qui a touché, c'est nous-mêmes qui là qui dans l'état montrer que nous résoudre problème là.
mais nous avons 2 ans là, depuis nous faisons bouche nos blanches la guerre. Au contraire, même pour voir ça, c'est libre en octobre 2022 qui fait aveu depuis, parce qu'il dit pas capable là. Dieu seul sait combien de temps nous venons là, nous étions là. D'où est-ce que la police là? Nous avons sensibilisé, nous avons mis pression sur le haut commandement. Nous avons dit directeur général de la police, France LB, levez pied ou.